salut, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, le rendez-vous de la lecture. Et nous avons le plaisir de visiter la bibliothèque de Berthierville. Et nous vous présentons Mme Caroline Bazinet, la coordonnatrice, et qui est appuyée par combien de bénévoles avez-vous? On a 25 bénévoles ici sur place. Vous avez même des jeunes bénévoles. Hein? Nos plus jeunes ont 12 ans, oui, effectivement. Et je dois souligner que à chaque année, puis cette année, ça a été une réussite, il y a eu une fête ici des bénévoles le vendredi dernier. Fait que je vais inviter Mme Bazinet à nous faire visiter la bibliothèque puis nous dire un peu également les initiatives, les activités qui ont lieu. Fait que, veuillez nous accompagner dans cette visite de la bibliothèque. Donc, en fait, quand on entre ici à la bibliothèque, on voit tout grandement notre bibliothèque. On va commencer par la section adulte. Donc, dans les premières rangées ici de la bibliothèque, on retrouve tous les romans qui sont destinés à la clientèle adulte. Donc, par ordre alphabétique, par auteur, on retrouve les différents livres. Dans la bibliothèque, on a plus ou moins 16 000 livres sur les rayons. Donc, pour les enfants, pour les adultes, des documentaires, différents types de documents. Et puis, on a 8 000 livres qui nous appartiennent à nous, à la bibliothèque de Berthier, et 8 000 livres qui appartiennent au réseau biblio du centre du Québec, de la Naudière et de la Montérégie, auquel on est affilié là, pour faire des échanges de livres. Oui. On a des postes informatiques offerts aux gens, donc ils peuvent venir voir les livres qui sont disponibles ici. Ils peuvent aussi venir utiliser les postes informatiques, donc faire des petits travaux, faire de la mise en page, différents outils de disponibles pour eux, aller sur Internet. On offre aussi le Wi-Fi à travers toute la bibliothèque là, pour les gens qui ont besoin. Ah oui, le Wi-Fi? Oui, gratuitement à tous nos abonnés. À tous les abonnés. Oui. Ici, je vois multimédia. Effectivement, on a quelques DVD en fait en prêt aussi de disponibles. Donc, les prêts, les DVD comme les livres sont pour une période de 3 semaines. Il y a un maximum de 5 documents par usager qui est possible pour une période de 3 semaines. Oui. De 3 semaines. Donc, dans la partie arrière, c'est la partie documentaire adulte où on retrouve des documentaires sur tous les sujets. La section enfants, jeunesse va se trouver là. Tout ici à partir d'ici jusqu'au fond, oui, exactement, où on divise la section avec les bandes dessinées, les documentaires, les romans et ensuite tous les albums jeunesse. L'heure du conte, est-ce que c'est ici que ça se passe? Non, on fait l'heure du conte, en fait, dans la grande salle d'animation pour avoir plus de place pour tous nos amis, puis s'installer confortablement. Là. En fait, on ne fait pas d'animation ici à proprement dit pour l'instant. Par contre, en famille, les gens vont venir s'installer, vont regarder les livres, vont prendre le temps de lire une histoire avec les enfants. Les enfants vont pouvoir jouer aussi pour se dégourdir tout en faisant la lecture. Donc, c'est leur petit coin à eux là, pour découvrir la bibliothèque. Les beaux dessins, là, les dessins pour les enfants, ça vraiment, ça me met dans l'atmosphère à la fois. Les livres et puis les dessins sur les murs, là. Eh bien, c'est superbe. Ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait les différentes activités d'animation ici. Donc, que ce soit les heures du conte, les échanges musicaux qui sont organisés une fois par mois, où les gens viennent visionner des clips, on peut faire des conférences, on peut faire des ateliers de bricolage avec les enfants, des conférences pour les adultes, différentes activités culturelles qu'on offre là, à la bibliothèque, comme par exemple, le 19 janvier prochain, nous ferons une initiation au vitrail avec un faux vitrail de Noël. Donc, les gens vont pouvoir, sur inscription, venir participer gratuitement à l'atelier, puis ils vont repartir avec leur petit vitrail là, à la fin de l'activité. Le 19 janvier, à quelle heure, ça? À 10 heures. À 10 heures le matin? Oui, c'est un samedi matin. Le samedi matin, là, il y a une initiation au faux vitrail. Oui, exactement, qui est fait par une professionnelle là, de la région qui va venir nous montrer tout ça. Eh bien, mais c'est une bonne initiative. Mais justement, on est rendu au niveau initiative.
À chaque mois, il y a des activités mensuelles. Qui reviennent à chaque mois, oui, effectivement. On a des ateliers d'écriture pour les gens qui veulent travailler leur français le plaisir d'écrire en groupe, qui sont animés par vous. Ensuite, on a les arts pour adultes. Donc, le troisième jeudi de chaque mois, les adultes se regroupent ici de 13h30 à 15h30 et vont pratiquer leur art personnel à travers un petit groupe. Le café est compris, ça discute, ça jase. Il y en a qui vont colorier, il y en a qui vont faire un tricot. Il y a différentes. Ça se passe ici? Le troisième jeudi de chaque mois. Le troisième de chaque mois. Oui, sinon on a. Il y a aussi des gens qui font des voyages. À l'occasion, oui, on a des gens qui font des voyages qui viennent nous partager leur récit de voyage, leur récit d'aventure. Puis, un peu comme sous conférence ou des échanges de photos, les gens vont parler du lieu visité. D'accord. Donc. La bibliothèque devient un lieu vraiment de rassemblement. Là, il y a quelqu'un qui a la lecture, mais il y a aussi d'autres aspects. Comme vous parlez de votre projet du 19 janvier, qui est quand même l'initiation au faux vitrail. Ensuite, comme des ateliers d'écriture, d'accord, mais il y a aussi des conférences, des gens, la musique aussi, il y a des éléments, initiation un peu musicale, un peu choix. Mais, en tout cas, je trouve que ça fait un lieu dynamique. Effectivement, en 2018, là, on veut que les bibliothèques soient dynamiques. On peut parler maintenant dans les bibliothèques sans déranger tout le monde, mais c'est possible de parler. On n'est plus dans la bibliothèque là, silencieuse, grise et plus calme. Là. On essaie de faire des activités puis d'avoir toutes les tranches d'âge puis d'offrir des services pour eux. Des services pour eux, d'accord. Mais là, vous m'avez dit, avant l'enregistrement, il va y avoir... quelque chose de nouveau ici à la bibliothèque à partir du 1er janvier. Effectivement, les services de la bibliothèque pour les gens résidant à Berthierville et à l'Île-du-Pas seront offerts gratuitement là, aux résidents. Aux résidents. Oui. Bien, tout à l'heure, on m'avait dit qu'ils vont venir chercher 5 livres à la fois. Par personne pour 3 semaines. Exactement. Ça, puis ça va continuer et puis c'est gratuit, mais c'est quand même une très, très bonne initiative. Puis ça donne aussi accès à différents services en ligne. Donc, en ligne, on a le prêt de livres numériques aussi qui est très populaire maintenant. On a aussi accès à des sites pour apprendre là, sur différents sujets. Donc, on peut apprendre sur des cours d'anglais, des cours de mise en forme. Il y a différents... possibilité là, avec les ressources en ligne qui nous attendent là aussi. Ouais. Puis sinon, il y a aussi là, la possibilité de commander là, tous les livres possibles là, à travers les autres bibliothèques du Québec aussi. Puis ça, je pense qu'il y a aussi également quelqu'un qui reçoit son numéro, il peut... à partir de son numéro chez lui, il peut faire commander un livre. Hein? Oui, effectivement. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. On va dire, pas besoin nécessairement de venir ici, puis même, il peut faire commander son livre via son numéro. On va dire, mais là, la bibliothèque a votre livre, vous allez chercher à la bibliothèque à ce moment-là. Oui, il peut faire de cette façon-là, ou l'emprunter de façon numérique et rester totalement à la maison. Ouais. Il n'a même pas besoin de venir nous voir ici. Il profite des services là, via les services en ligne. Ah, même de chez lui, il peut commander un livre numérique. Oui, puis regarder sur sa tablette ou la liseuse. Pour, mais c'est quand même... le livre numérique est également pour 3 semaines. Oui, c'est quand même là, un prêt de 3 semaines. Un prêt de 3 semaines. Oui. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, tu es chez toi, tu commandes un livre numérique, tu le lis, finalement, dans la troisième semaine, tu le remets. Oui, ou sinon, il va partir automatiquement. Il va disparaître automatiquement. Là. Oui, après le nombre de jours. Mais bon, c'est extrêmement intéressant. Donc, vous voyez, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, la bibliothèque devient un milieu dynamique, moderne, je veux dire, avec les derniers outils. Et puis, je reprends un peu ce qui vient d'être dit. À partir du 1er janvier 2019, pour les gens de Berthierville et de l'Île-du-Pas, c'est gratuit. On peut se procurer 5 livres pour 3 semaines, et même on peut le faire via numériquement. Fait que, puis sans compter qu'il y a des initiatives comme le 19 janvier, le faux vitrail et puis une musicale, des soirées musicales. Oui, des arts du conte, les enfants. Donc, plusieurs activités. Informez-vous
consulter la bibliothèque de Berthierville. Fait que je vous remercie beaucoup, Caroline, de l'entrevue. Plaisir. Nous allons aller à la pause, d'accord? Excusez-moi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, chez Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bien, de nouveau, bienvenue, chers téléspectateurs et chers téléspectatrices. Pendant que nous visitions la bibliothèque de Berthierville, nous avons rencontré Jean-Pierre Veillet. Bonjour, Louis-Marie, ça va bien? La maison d'édition La Mythe d'or, qui est venu nous présenter un peu les livres de sa maison d'édition. Oui, on s'est rencontrés par hasard aussi. On s'est rencontrés par hasard. Parce que je cherchais mon abeille. Je cherchais ton abeille. Hein? Puis elle est venue dormir ici. Ça, tu ne savais pas? Ah non, je ne savais pas. Non. Parce que son livre va être ici bientôt. Ah, c'est ça, hein, son livre? Oui, oui, c'est Au pays des allumés. Fait que Bougie-Anne, c'est Bougie-Anne, je vous la présente. Bougie-Anne, c'est vraiment une abeille qui est emmiellée gentiment. Ah bon? Elle est différente. Elle est un peu plus grasse, un peu plus grosse. On dit pas ça dans un compte, hein, maintenant. Il faut faire attention à tous les mots qu'on choisit quand on écrit. Ouais, alors, c'est mon garçon qui m'a dit dans le texte, je disais, elle est obèse. Tu sais, quand on fait les débuts de texte. Oui. Mais moi, mes premiers auditeurs, ce sont mes garçons. Fait que j'étais après les ça à mon garçon qui a 25 ans, puis il dit, papa, tu vas changer. Il dit un mot, c'est quoi? Ben, tu t'as dit obèse. Parce que c'est vrai, il dit obèse, on dit plus ça. Il a raison. Mais ça m'a pris 2 semaines avant de trouver un mot pour remplacer « obèse ». On dit plus ça, puis en même temps, c'est par respect, parce qu'on... En tout cas, etc. Puis ça m'a pris vraiment 2 semaines de trouver un mot, et c'est « emmiellé gentiment » qui m'est venu à l'esprit. Alors, si les gens s'agacent en classe, après que j'ai fait des visites scolaires ou des visites bibliothèques, bien maintenant, ils vont dire « t'es emmiellé gentiment ». C'est gentil. Oui. C'est un mot gentil, puis en même temps, ça passe bien. Je me suis dit, bien, mais ça m'a pris 2 semaines. Pas 2 semaines sans dormir, mais 2 semaines à penser à ce mot-là. Changer pourquoi? Et il avait raison. Fait que merci, Tommy. Hein, c'est les enfants qui nous aident à progresser dans les histoires. Non, mais en parlant justement d'enfants, les plus forts des livres s'adressent à des enfants ou à des jeunes ados. Là. Oui. Puis tu parles de cette série-là, bien, c'est pour les 3 ans maintenant. C'était un nouveau créneau. Hein. Quand on parle de ce petit livre-là, c'est un petit nouveau créneau. Puis en même temps, je le faisais pour mon petit garçon qui a 3 ans. Puis il y avait de la difficulté un petit peu à prononcer. Fait que là-dedans, il y a des répétitions que je fais pour l'aider à comprendre le français et s'améliorer à prononcer. Fait qu'il y a des petites répétitions, mais je le faisais vraiment pour mon garçon que je salue. Il se nomme Noah. Et Noah est vraiment mon petit garçon à moi. Donc, le petit livre était fait pour un créneau de 3 ans et plus. J'ai fait par la suite Megan à l'été pour sa sœur à Noah. Donc, ce sont des enfants qui existent pour de vrai. Là. Ce sont mes petits-enfants. Megan et sa licorne magique, ça a été suivi. Mm-hmm. Et ça a été créé. D'ailleurs, c'est une graphiste de la région qui m'a aidé à mettre mes images. Comment ça s'appelle-t-elle? On a son surnom ici, Mademoiselle Chaput. Donc, Gabrielle Chaput, qui est de la région, qui a réussi à construire le petit livre avec les dessins que j'ai faits. D'accord. Donc, c'est Megan et sa licorne magique. C'est tout nouveau, là. D'accord, c'est nouveau. En vente depuis la fin septembre et je te dis qu'il va bon train. D'ailleurs, il est après compétitionner l'IELOS. Ah oui? Oui, sur le temps de vente, là, si je me dis l'IELOS dans le temps, on avait vendu autant, sinon plus. Ouais. Mais lui, dans les salons du livre, il compétitionne. Et c'est la première fois que j'avais un créneau. J'en parlais tantôt à la responsable à la bibliothèque ici, même si on s'est rencontrés par hasard. Je suis arrivé avant toi un peu. Oui, oui. Alors, je disais, c'est la première fois que j'avais un créneau jeune demoiselle. J'ai plutôt un créneau jeune garçon. Exact. Les garçons ont réagi sur un livre. « Ah, il est beau, le livre! » Oui, exact. C'est tout. Mais la petite fille, elle, qui a 3 ans, elle va dire « Oh, maman! »
puis elle s'en va avec. Fait que là, j'ose pas dire aux parents, est-ce que vous le voulez? Je pense que c'est déjà compris. C'est déjà parti avec, c'est l'exclamation. Hein? L'exclamation, effectivement. Ils sont beaucoup plus expressifs, c'est différent. Expressifs. C'est un créneau que je connaissais pas, par contre. Par contre, c'est quand même bon là, de revenir depuis de commencer ton premier livre ici. Là. Oui, ça fait 6 ans. Hein? Ça fait 6 ans. Le premier Blanc de nuit, Condonnel, ça fait 6 ans. Ça fait même 8 ans dans le Condonnel. Ça fait 6 ans que j'ai sorti le deuxième, par contre. Oui. Le Blanc de nuit, le versant caché. Oui, oui. Et après, j'ai sorti l'autre. Et là, j'ai parti ma maison d'édition. Ça fait 6 ans exactement. Ça fait 6 ans exactement. Oui. Bon, vous avez l'ILOS ici, le best-seller. Best-seller jeunesse, oui. L'ILOS qui, comme le monde le savent peut-être, si on inverse le titre, c'est Soleil. Oui, exact. Roman fantastique, science-fiction, parce que les deux sont inclus dans la même optique. Là. Je veux dire, c'est vraiment un créneau qui est à double facette, qui évolue très rapidement. On est rendu à 1, le 2, le 3, le... et le 4, le 5e s'en vient fin février 2019. Oui, oui. Avec une autre figurine que je vais faire toujours à Montréal, parce qu'à noter que les figurines qui sont ici sont en zinc et c'est moulé et fait à Montréal. Moi, je fais juste la conception graphique, ça veut dire que je fais la conception en 3D. Et eux font le moule à partir de la conception graphique 3D. Ah oui, oui. Fait que oui. C'est en zinc, ça. Exact. Et il y a toujours les petits paquets de cartes qui viennent de toucher un record. Je dois dire que ça vient de l'imprimerie Berthier de Berthierville, ce petit jeu-là. Si on peut le montrer ici à l'écran. Ce petit jeu-là qui est le compte et des comptes. On est rendu à 13 500 paquets de cartes. Tu vas l'expliquer tranquillement, 13 000? 13 500 paquets de cartes vendus. Oh ben là! Fait qu'on est après. Moi, je suis content. Je suis vraiment content. C'est un honneur pour moi d'avoir travaillé avec l'imprimerie de Berthier. Parce que le premier 500, parce qu'on les fait faire toujours par tranche de 500, je ne m'attendais pas d'avoir un succès comme ça. Qu'est-ce qui est beau de ce jeu-là? Il faut toujours que je dise que c'est grâce aussi à des jeunes qui ont commencé à lire mon livre, des jeunes de Charlemagne, parce que je fais des visites scolaires un peu partout, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick maintenant. Et j'en parlerai tantôt parce que j'ai un projet pour l'Europe. Mais. Le premier jeune qui m'a approché, il y a de cela 3 ans, donc il avait 8 ans au moment où il m'a approché, un jeune qui ne lisait pas du tout, qui est arrivé après une visite scolaire, il est venu me voir à une librairie à Repentigny, puis il a dit « Je m'en viens pas te voir pour acheter le livre. » Il était avec son père. Ben, c'est, d'accord. Il y a tout des dédicaces, habituellement, pour présenter le livre et essayer d'en vendre pour un auteur, mais je trouve ça cocasse. Et je riais comme ça. J'ai dit « Tu t'appelles comment? » Il dit « Tristan. » Je dis, Tristan, tu ne lis pas du tout? C'est à quel âge? J'ai dit 10 ans. Tristan, il a hâte de l'agacer. Bien, j'ai dit, Tristan, tu lis pas du tout, tu as 10 ans. J'ai dit, laisse-moi, si ton père veut, que je te fasse une démonstration du jeu. Fait, j'ai fait une démonstration du jeu qui possède tous les personnages de ma série. Ouais. Et à un moment donné, il a demeuré intrigué sur un personnage qui s'appelle un Potok. Un Potok, ça ne te dit rien. À un moment donné, je viendrai te présenter. C'est un Potok, oui. Parce que le Potok, ça existe pour le vrai. J'ai fait le costume, c'est haut, c'est immense, à 2 jambes. Oui. Et c'est une bête que j'ai dessinée, mais par rapport à une bête terrestre. Exact. À 5 bêtes terrestres qui m'ont inspiré, et j'ai construit ça pour faire le Potok. Alors, lui, il est intrigué, puis il me dit, c'est un bon personnage pour moi, ça me motive. Et je voudrais l'avoir. Je dis, si ton livre a plein d'animaux comme ça, qui viennent d'une autre planète, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Ben, c'était pas chanceux, ton père m'a dit qu'il achèterait pas un livre parce que tu lis pas. Ben, il se dit, écoute, je vais te faire un défi. Si tu fais la lecture du premier livre, tu prends mon livre, mettons, en librairie, je te dédicace, je te fais le dessin de toi dedans, etc. J'ai dit, là, on a un défi. J'ai enseigné en art plastique et en art dramatique. Fait, je vais te donner un défi d'enseignant. Il dit, c'est quoi? Tu vas me résumer le livre en une phrase, puis si tu es capable, tu inventeras un personnage. Ça a pris 1 mois et demi de temps à ce jeune-là. OK? Il a lu le livre, il a. Il m'a dit avec son père qu'il l'avait vraiment dégusté, là, le premier livre de sa vie. Fait que c'était un honneur pour moi que ce jeune-là fasse la lecture, fasse le choix de mon premier livre, mais de son premier livre à lui aussi, pour sa lecture. Puis il m'écrit, puis il me dit, fais une lecture de qu'est-ce que j'écris, supervisée par mon père. Puis je fais la lecture, il résume ça en une phrase, puis il dit, le personnage que j'ai inventé se nommerait le prince Natsir. Je fais, aïe, aïe. Là, je me suis dit, je vais y trouver un rôle dans mon troisième livre, parce que le troisième livre n'était pas encore là. Le monde d'accord. OK. Hein. J'avais simplement fait la correction, il n'était pas encore imprimé. Puis je dis, je vais y trouver un rôle. Alors, il est devenu le prince Natsir, qui est le fils de Focus, le personnage principal, qui est le méchant dans l'histoire. Ah bon? Ça ne veut pas dire parce que son père est méchant qu'elle est méchant. Non, non. Mais ça a motivé Tristan tellement quand j'ai répondu qu'il m'a dit, j'aimerais ça qu'on se revoie.
Ben, je dis, OK. Je dis, là, donne-moi le numéro de ton père, je vais rejoindre ton père et ta mère. On va se trouver une autre visite à ton école. Là, il pensait que j'étais pour faire une animation à son école, mais j'ai été le rencontrer personnellement pour lui donner la page couverture de livre 3, puis de lui dire que son personnage avait vraiment trouvé bravo. Un rôle dans un de mes livres. Mais c'est pas tout, parce qu'il a réussi son oral en français, parce qu'au moment où je lui ai présenté dans sa classe, il faisait un oral sur le livre IAS 1 pour prouver à son enseignant qu'il avait vraiment lu ça, puis il a passé son test de français. Eh bien, bravo. Cinquième année. Enfin, je me suis dit, yes, on a gagné quelque chose. On a gagné de donner le goût à la littérature. C'est vraiment le but qui me pousse dans toutes mes écritures. Bon, avant de parler de tes projets, j'aimerais qu'on puisse voir les nouveautés. Tu me dis que tu en avais quatre. Oui, il y en a quatre nouveaux. Oui. Ça, c'est des auteurs de ma maison d'édition. Je tiens à souligner que si on reprend comme celui-là, OK, c'est une enseignante qui m'a soumis un projet. Celui-là, ben, c'est le premier du monde d'Élise. Le monde d'Élise, oui. Le premier du monde d'Élise, ouais. Le second du monde d'Élise. Ils ne sont pas tout à fait pareils. Ici, c'est plus on peut dire la poésie. Ouais. Celui-là, c'est vraiment un conte. Je reviens juste pour faire un petit souligner un petit peu les Alliés de la mer, parce que les Alliés de la mer, c'est tellement important pour moi. Ce sont des écoles à Baie-Trinité. Je vais souvent à cette île, à tous les salons du livre, à chaque année depuis 6 ans. Alors, j'ai visité une école qui s'appelle l'École Saint-Joseph, comme Berthierville. Enfin, j'ai pas réussi à la retenir concernant le nom. Et l'École Saint-Joseph, j'ai rencontré l'enseignant depuis 6 ans, mais rencontré tous les élèves depuis 6 ans. Alors, ces élèves-là ont soumis un projet à l'enseignant et ils ont spécifié « Tu devrais présenter le projet à M. Veillet ». Tu nous as dit, en tant qu'enseignant, que ce personnage-là, M. Veillet, a une maison d'édition. Alors, j'ai reçu ça l'année passée, à peu près dans les mêmes temps qu'ici, au mois de fin décembre. Et j'ai lu ça durant la vacance du temps des fêtes. J'étais émerveillé parce que c'est les jeunes. Moi, l'environnement, ça me parle beaucoup. Dans tous mes livres, il y a un petit accent sur l'environnement. Bon, ouais. Et dans ce livre-là, c'est des jeunes qui ont eu une expérience environnementale sur notre fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Baie-Trinité, et qui ont découvert des accumulations de plastique. Et l'expérience le veut qu'eux, ils ont été soutenus dans l'histoire par des animaux qui les ont aidés à dépolluer une partie de notre fleuve. Ça m'a parlé tellement que j'ai fait la page couverture. Et dans le livre, il n'y a pas personne qui peut savoir que j'ai fait la page couverture. Je l'ai même oublié. Ah bon? Parce que j'étais tellement emballé par l'histoire que quand je l'ai fait imprimer, j'ai complètement oublié de noter ça. Mais je me suis dit, ces jeunes-là méritent ça. Fait qu'ils ont leur dessin personnel dans le livre et ils ont leur histoire personnelle qu'ils ont fait en groupe dans la classe. Ça, c'est un exemple sur l'éducation. Parce qu'en plus d'être relié à la littérature, c'est relié à l'humanité. On est dans le cycle où il faut faire attention. Ça, je le dis, les Alliés de la mer, c'est vraiment bon. Par la suite, un autre auteur de ma maison d'édition, Élise Huppé, que j'ai parlé tantôt. Et la nouveauté dans les deux que tu vois au bout, c'est l'intimidation. Ça fait mal. Fait que, constamment, l'intimidation, ça fait mal. C'est une personne, un auteur qui vient de la région de l'Outaouais. Celui que tu tiens en main, c'est une personne qui vient de la région du Saguenay, Jonquière, pour dire exactement. C'est devenu... Je dis c'est un auteur, mais c'est un auteur au droit littéraire que je présente. Fait que c'est Richard Gilbert qui est le conjoint de l'auteur, de Sylvie que tu vois sur la page couverture, Sylvie Gagnon. OK, Sylvie Gagnon est décédée, ça fait 7 ans. Ça faisait une année qu'il ne savait pas à qui présenter le projet d'une vie de sa femme qui est décédée du cancer. Puis on l'a rencontré, il y a de cela, ça va faire 2 ans. On l'a rencontré au Salon du livre au Saguenay. J'étais dans le kiosque, puis il m'a dit « J'ai quelque chose de précieux à te donner ». C'est les écrits de ma femme qui est décédée depuis 7 ans à cause d'une maladie de cancer que beaucoup de gens connaissent malheureusement. Puis là, j'ai décidé de l'éditer. Il était au salon au mois de septembre. Puis écoute, il possède, c'est le fun de dire ça, parce que c'est un honneur pour lui d'avoir eu le livre dans ses mains, mais c'est un honneur pour moi de l'éditer. Je voyais que c'était comme précieux pour lui, c'est normal. Et il a battu des records de vente au Salon du livre. Écoute, ça a été merveilleux au Saguenay à cause de lui puis à cause du phénomène de la maison d'édition, d'éditer des jeunes un peu partout. L'Extasie, les Extasiens, ça vient de la région, Saint-Jean-de-Matha, Jean-Pierre Ménard. Jean-Pierre Ménard. Oui, Extasien. Si on s'en va un petit peu, Blaise, c'est un monsieur de Longueuil. OK, Longueuil, c'est... Blaise, c'est vraiment un roman fictif sur quelque chose qui pourrait arriver. Un événement qui pourrait arriver à Montréal et une explosion d'énergie. C'est vraiment pour adultes, par contre. C'est vraiment pour les 14 ans et plus. Ados, adultes. OK?
Monsieur Évrac Mallette. Monsieur Mallette, c'est le père de Fanny Mallette, qui est comédienne. Ah bon? Donc, lui, il y en a 17 de faits. Là, on en a un de cette série. C'est un journaliste du Journal de Montréal. Fait que Monsieur Mallette est comme un expert dans les romans de ce genre-là. On a aussi « J'ai des petites nouvelles pour toi ». Ça, je le souligne parce que c'est le premier livre de ma maison d'édition que j'ai édité d'une dame qui est décédée, malheureusement, cet été, l'été passé en 2018, juillet 2018, le 11 juillet 2018. Et avant-hier, j'étais d'ailleurs avec son conjoint à Saint-Gabriel, au marché de Noël. Il est venu me rejoindre là parce que j'ai fait une petite place à ma table au marché de Noël pour qu'il puisse parler du livre de sa femme. J'ai des petites nouvelles pour toi, ce sont des nouvelles. Donc ça, c'est le premier livre de ma maison d'édition que je souligne tout le temps, en même temps avec un petit effet de petit malheur de la vie. Puis je me dis, ben, je voulais encourager son conjoint qui a le livre dans ses mains, puis moi, je le transporte tout le temps. De toute façon, tous les livres de ma maison d'édition, le livre de mes auteurs se transporte toujours dans les kiosques, dans tous les salons du livre. Ben, c'est un peu le maison d'édition. D'accord, donc on va se souvenir que Lailas, bientôt, va paraître. Oui, la cinquième, ça s'en vient. Cinquième tome. Maintenant, tu parlais d'un projet. Là. Tu me disais, j'ai un projet. Là. Ben moi, le projet majeur, quand j'ai commencé à écrire, c'était, j'écrivais par motivation pour mes garçons, mais le projet majeur, quand j'ai commencé à écrire pour mes garçons, c'était déjà instauré en moi, c'était d'écrire un scénario pour un dessin animé. Le scénario est écrit, c'est lié à ça. Le scénario est devenu, les livres que vous voyez, à partir du deuxième, le scénario a explosé, puis c'est devenu des livres. Là. Mais le scénario a été pris en main par un producteur en 2000. Il s'est trompé, il a présenté ça à Cannes, il s'est enfargé. J'étais non expérimenté à l'époque. Fait que donc, quand tu es non expérimenté, tu te fais tasser facilement par un producteur, c'est normal. Ouais. Puis il avait fait redessiner mes dessins, il avait fait écrit certaines choses, il l'a présenté à Cannes, il s'est trompé, il est revenu avec un projet et un contrat caduc, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien. Et par la suite, j'étais comme gêné de présenter mes projets de l'ILS à d'autres producteurs. Et avant-hier, j'ai quelqu'un qui m'écrit et dit « Regarde la pub, on va la nommer parce qu'elle est tellement belle, de IGA, qu'ils viennent de faire. Ouais, » ouais. Okay, vous regarderez ça en passant, ça vaut la peine. C'est animé et c'est fait par une compagnie de Montréal. Alors, j'ai rejoint tantôt par téléphone, ça fait une heure à peine. Là. J'ai parlé au producteur, puis il dit « Écoute, je serais intéressé, l'ILS, je commence à en entendre parler un petit peu. » Puis il dit « J'aimerais ça entendre parler et voir surtout tous les produits que tu as. Si ça sonne avec ce qu'on fait. » Parce que moi, je lui parlais que j'étais épaté de voir ce dessin animé-là. C'est une pub télé pour IGA. C'est tellement beau. Ça parle d'un jeune homme qui aime la nourriture. Sa mère lui montre à faire la bouffe. Puis il est tout petit, mais il grandit à l'espace de quelques secondes dans la pub. C'est vraiment beau. L'animation est vraiment belle. Fait que j'ai parlé à ce producteur-là. Puis il m'a dit, écoute, on va se rencontrer. Écoute, on lance ça dans l'univers. Mais mon défi, c'est vraiment que l'ILS devienne un dessin animé, mais un long métrage. Ah bon? C'est un défi en 2000. C'est un défi, mais c'est encore un gros défi. Puis ma beauté là-dedans, c'est de conduire tous les jeunes qui sont dans mes cartes. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire tantôt? C'est que dans mes cartes de jeu, il y a 15 à 16 jeunes qui ont leur personnage qui joue un rôle dans ma série. Ah, bon. OK? Fait que tu vois que mon défi, c'est d'être avec ces jeunes-là, ces familles-là, ces gens-là, ceux de ma famille aussi, les gens que je connais comme vous, puis qu'on serait dans la même salle. Il faut lancer des choses. Il faut arrêter de dire des fois on est né pour un petit pain. Non. Pour projeter un petit peu. Généralement, projeter beaucoup même pour réussir ce qu'on veut faire. Puis mon but, c'était de faire le dessin animé. C'est toujours la même chose. Fait que l'énergie que j'ai depuis une heure que j'ai passé au téléphone avec le producteur qui a produit la petite pub, ben c'est de lui lancer ça puis de lui dire dans les mains, écoute, si ça te tente, on fait le projet puis on va chercher des associés un petit peu en Europe. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir dévoiler un peu, de nous avoir recentré, puis surtout voir que c'est une maison d'édition de Berthierville qui a un rayonnement de plus en plus grand. Puis ça, je trouve que c'est vraiment à souligner, là, puis à plusieurs étages. Puis le fait que tu t'adresses surtout à des jeunes, à l'environnement, mais même aux adultes, avec Blaise, puis l'autre. Bien, si je peux t'interrompre, je veux juste ajouter quelque chose, parce que des fois, quand on commence à rayonner, c'est important. Tu sais, moi, c'était tellement important de dire que je venais de Berthier, Berthierville. Puis quand j'étais à Sept-Îles, quand j'étais à Toronto, il y a de cela 15 jours, puis que les jeunes disaient « Ah, tu viens de là, ça vient de loin. » Oui, ils trouvent ça loin, Toronto, Berthier. Quand je vais à Chipagan, c'est loin. Quand je vais aux Îles-de-la-Madeleine, les gens disent « Mon Dieu, tu viens faire des séances de dédicace aux Îles-de-la-Madeleine. » Mais à un moment donné, quand tu commences à rayonner, faut pas que tu sois tout seul. J'ai beau avoir un livre qui s'appelle « Soleil », si tu l'inverses.
Mais si tu rayonnes tout seul, ça fait triste sur une plage. Oui. Maintenant, je sais que je suis en mesure d'éditer des gens qui viennent d'ailleurs. Ouais. Maintenant, c'est de faire un pont. La culture, c'est pas juste une question de région. C'est une question de pays. Exact. Si on n'a pas encore notre pays au Québec, c'est comme ça. Mais si on a un pays qui se forge sur des valeurs de puissance, là, avec des idées littéraires qui viennent un peu partout, moi, j'en ai qui viennent un peu partout, puis je suis content de les présenter. Fait que maintenant, c'est de les faire rayonner les autres ici. Exact. Puis là, je suis content parce que Bougienne nous a pas trop tôt interrompu. Non, elle a été bien sage. Puis elle parle plus que moi, en plus. C'est pas trop. Des fois, je cache la bouche. Ça le fait. Fait que, merci infiniment, Jean-Pierre. Merci à toi. Merci. Et puis, donc là, on est vers la fin. Donc, on est en... Merci infiniment. Plaisir. Mm-hmm.